Coucou, coucou à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi d'abord. Laisse-moi un like. Ensuite, lorsque tu auras fini sur la vidéo, partage pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la lotion Prestige de Françoise Dolan que j'utilise depuis un certain moment. Voilà, cette lotion-ci que j'utilise depuis un certain moment. Je pense que depuis 3 semaines, je l'utilise. Et chaque soir, voilà, elle fait partie de ma routine de nuit. Donc, si tu es intéressé vraiment par la vidéo, je t'invite à t'abonner, si tu n'es pas encore abonné, à me laisser un like et surtout partager. La lotion de Françoise Bedon, je l'ai achetée dans les magasins Get the World, en ligne. Vous allez en ligne, ils ont certains produits en ligne. Bon, vous pouvez aussi trouver dans les magasins Get the World. J'étais déjà une fois à Get the World, pas une fois, plusieurs fois. À Get the World Bruxelles et aussi ici à Cologne, voilà, donc, près de chez moi. Lorsque j'ai vraiment envie des produits, j'y vais. C'est un très bon magasin en fait. Et moi, je l'ai acheté parce que je l'ai acheté avec d'autres produits. Vous savez, je les ai. Mais je l'ai acheté dans les magasins GT World en ligne. Donc, si ça vous plaît, allez-y en ligne. Achetez aussi à GT World. Je l'ai acheté, je ne peux plus vous dire le prix parce que j'ai acheté plusieurs produits. Là, éclaircissante, unifiante. Efficacité exceptionnelle, Luxe Prestige. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Luxe Prestige, je ne sais pas. Et ils ont dit derrière, voilà, elle est le traitement intensif, idéal pour minimiser les signes visibles d'hyperpigmentation sur le visage. Antiseptique, elle nettoie la peau en profondeur et élimine toutes les imperfections. Son application quotidienne vous assurera un teint clair et unifié. Elle laisse une peau douce, souple, tonifiée et tonifie l'épiderme. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit derrière la boîte. Maintenant, je vous dis si c'est vraiment vrai, mais en ressenti depuis que je l'utilise, puisque je suis justement le soir. Et tout ce que je n'ai pas aimé, je vais vous dire tout au long de cette vidéo. Pour ça, c'est très très important que tu restes jusqu'à la fin. Donc, cette lotion, comme je vous ai dit, je la mets le soir sur le coton lorsque j'ai fini de faire mes soins du soir. Donc, ce qui est important à vous dire, c'est que j'utilise actuellement le savon. Regardez comment j'ai déjà utilisé le savon de chez Père Labio Nature. Alors, donc, Père Labio Nature vend assez de produits éclaircissants et pour les teints marron caramel parce qu'elle-même, elle-même, elle est marron. Voilà, elle est marron caramel. Elle n'utilise pas de produits éclaircissants. Donc, moi, je prends les produits éclaircissants. Donc, je voulais juste vous dire que moi, j'utilise ce savon-ci sur mon visage actuellement parce que c'est l'été et ça fonctionne très bien. Après, je nettoie, je mets mon eau micellaire. Je nettoie avec l'eau micellaire mon visage et après l'eau micellaire je laisse reposer un peu 5 minutes et après je prends ma lotion de Françoise Bedon, je mets sur un coton et je nettoie bien le visage. J'attends encore 5 minutes avant d'appliquer ma crème de soir. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Est-ce qu'il y a des très bons résultats? Il y a des très bons résultats car je n'ai pas de taches actuellement, je n'ai pas de boutons, je trouve que ma peau ça va. Je ne me plains pas sur le monde de ma peau et je me dis qu'elle faut aussi partir aussi. Parce que si c'est qu'elle était mauvaise, je devais avoir des problèmes de peau. Car avant, j'utilisais la lotion du visage de Père Labio Nature, c'était plus là, mais elle en a encore. Allez contacter Père Labio Nature si vous voulez s'acheter ces lotions. Et ensuite, j'ai utilisé Peau de Lune, c'est fini, c'était super bon. Et ensuite, je suis sur la lotion de Françoise Bedon et je n'ai pas d'irritation, je n'ai pas de problème de peau. Cela veut dire que c'est très très bon. Cette lotion est bien parce que moi je n'ai pas vu d'allergie, j'ai pas eu d'allergie, ça m'a pas fait des trucs d'allergie au fait. Donc je l'ai utilisé. On va lire ensemble ce qu'ils ont mis derrière et je vous dis si c'est que c'est aussi bon. Ils disent quel est le traitement intensif idéal pour minimiser les signes visibles d'hyperpigmentation sur le visage. C'est vrai que je n'ai plus assez d'hyperpigmentation sur le visage. Ils pourraient dire la vérité. Antiseptique. Lorsque tu la mets, tu as une sensation de fraîcheur. Elle ne pique pas. Bizarrement, parce qu'ils disent antiseptique, je ne vois pas de. Elle ne pique pas. Elle n'a pas d'odeur forte comme de l'alcool. Et en plus de cela, elle entre dans la peau. C'est comme si tu mettais de l'eau parfumée sur ton visage. Donc, je ne sais pas si ils disent la vérité sur antiseptique. Je sais pas, moi je n'ai pas trouvé ça trop antiseptique. Elle nettoie la peau en profondeur,
un nettoie vraiment la peau, élimine toutes les imperfections. En tout cas, moi, j'ai pas d'imperfections actuellement sur le visage. Mon visage, pour moi, ça va. Hein. Donc, je me plains pas. Voilà. Son application quotidienne vous assurera un teint clair et unifié. Un teint clair et unifié, oui. C'est que moi, j'ai vraiment retenu de cette leçon ce que elle vous unifie le teint. Vous aurez. Moi, j'ai d'abord un teint qui n'est pas unifié. C'est ma nature. C'est pour ça que vous me voyez souvent utiliser des produits un peu éclaircissants. C'est la raison. J'ai des. Ma peau n'est pas unifiée. Mais là, depuis un certain moment, je vois quand même que mon visage est unifié. Voilà, donc elle fait du bon travail. Donc, elle unifie, elle tonifie l'épiderme. Elle laisse une peau douce, souple. Et c'est vrai, la peau est souple. Quand je finis d'appliquer, tu sens même que le visage, la peau du visage est tonifiée. En tout cas, moi, j'ai adoré cette lotion. Je vous ai dit ce qu'elle fait, selon ce qu'ils ont dit. C'est juste le côté antiseptique que je n'ai pas trop vu. Hein. Mais sinon, tout ce qu'ils ont dit ici derrière. Et voilà, mon propre avis, je vous donne mon propre avis par rapport à cette lotion. Cette lotion, lorsque tu la mets, tu te dis, elle va te picoter, elle ne te picote pas, elle en a la peau. Après, je me suis même demandé si j'achetais du vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas mis l'eau, ils ont mis le colorant bleu. Ils m'ont vendu. Parce que ça ne faisait pas comme c'est la première fois que j'utilise une lotion qui est comme de l'eau faite. Ça ne pique pas le nez, ça ne pique pas la peau, tu ne ressens pas quelque chose de fort. Vraiment, pour les peaux sensibles, c'est l'idéal en fait. Pour les peaux à problème, c'est l'idéal en fait. Donc, moi, j'ai vraiment adoré cette leçon dans ce côté-là. Est-ce qu'il y a un côté négatif? Moi, je n'ai pas vu de côté négatif. Parce que par peau, prix, et lorsque tu l'utilises, tu sens vraiment qu'elle va me faire long. Elle va me faire long, je pense que je peux l'utiliser pendant 4 mois, puisque je l'utilise juste le soir. Donc, ce que moi je veux vous dire, c'est que si vous voulez acheter cette lotion, vous n'allez pas regretter. Elle est magnifique, elle est bien, elle est... En tout cas, pour le prix aussi, ça va. Et elle se vend aussi en ligne. Je vais acheter ça, je te vois. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je cherche même les mots sans trouver. Elle est certainement qui m'a écrit. Elle m'a dit, pourquoi tu n'utilises plus la crème de visage Patricia Régnier et maintenant tu es sur Topsygène. Je suis ici sur YouTube pour tester les produits et venir vous dire mon ressenti. Pour que aussi vous soyez orienté à acheter des produits ou pas. Et par rapport à ce que je dis de positif, ce que je dis de négatif. Donc si tous mes produits c'est parti, ça arrive. Vous allez voir que je n'aurai plus de quoi dire sur YouTube. Je suis obligé d'aller vers d'autres produits. C'est vrai que c'est un peu dangereux parce que je change de produits. Mais j'ai décidé d'aller vers des produits de qualité. Voilà, donc je n'utilise pas des produits qui ne sont pas de qualité. J'avais fait l'erreur d'utiliser un produit qui n'était pas de qualité, ça m'a gâté le visage. Ça, je ne le ferai plus jamais. Voilà. Donc, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, voilà, TikTok, Snapchat. Et Snapchat, et n'hésitez pas à vous abonner, à appeler vos amis à vous abonner et surtout à partager pour que d'autres personnes aussi puissent connaître la chaîne. Bye! J'ai oublié. Non, je n'ai